crise sanitaire du coronavirus, la Commission européenne s'autorise à continuer de discuter avec le Mexique des accords de libre-échange. Alors que cette crise sanitaire montre à quel point nous sommes fragilisés par ces accords de libre-échange, par ces accords de l'OMC. Il faut absolument sortir les denrées alimentaires des accords de l'OMC et repenser la construction de nos systèmes agricoles, de nos systèmes alimentaires pour viser la souveraineté alimentaire et transformer les enjeux du traité de Rome vers l'objectif de cette souveraineté alimentaire plutôt que de dépendre d'échanges internationaux pour satisfaire notre sécurité alimentaire. On en voit toutes les limites, à la fois économiques pour les producteurs de lait, par exemple, qui ne peuvent plus exporter leurs denrées laitières, leurs poudres de lait, et qui sont donc en grande difficulté économique, et pour les pays qui sont dépendants de ces échanges, de denrées alimentaires pour satisfaire leur sécurité alimentaire. Donc on doit profiter de cette réforme de la PAC pour entrer en résilience de notre modèle agricole, en résilience de nos modèles alimentaires, de manière à ce que les objectifs de cette PAC servent enfin la souveraineté alimentaire du continent européen et des autres pays qui ont besoin de retrouver cette souveraineté alimentaire.